ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أما بعد يا إخوتي الكرام فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نستأنف دراسة هذا الباب موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع وقد توقفنا في قول المؤلف والمجتهدون من الأمة نظروا في معاملة أهل البدع على حسب الحوادث فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء عن أنواع Donc nous sommes dans la continuité de l'explication de ce chapitre qui s'intitule La position des gens de la Sunna envers les gens de l'innovation. Donc, pour retracer un petit peu ce qu'avait dit l'auteur du livre au début du chapitre, et c'est ce que nous avions étudié la semaine dernière, c'est que l'auteur a plus ou moins mis en évidence ce qu'on appelle « al-hukm al-shar'i », c'est-à-dire le statut dans l'islam concernant la position à adopter envers les gens de l'innovation, le fait de les côtoyer, le fait de cohabiter avec eux, le fait de s'asseoir avec eux, le fait de prendre la science d'eux, tout ceci est strictement interdit. Naam, at-tahrim, c'est strictement interdit. Ensuite, le mu'allif, l'auteur, nous avait expliqué que dans l'islam, il y a un principe de base qui est récurrent, c'est ce qu'on appelle at-ta'siru wa at-tahdhir. Naam, l'enracinement, l'affirmation des choses, d'accord, dans tout ce qu'Allah nous a ordonné de faire, ou nous a ordonné de pratiquer, at-tawhid, l'obéissance, non, et en même temps, at-tahzir. At-tahzir, c'est-à-dire la mise en garde de tout ce qui est préjudiciable à la personne. En premier lieu, le shirk, billah, non, la mise en garde contre le shirk. Aussi, la désobéissance, qu'elle soit envers Allah ou envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tout acte préjudiciable qu'Allah nous a interdit dans son livre ou que le prophète nous a interdit à travers sa sunna. Non. Maintenant, ici, le mu'allif, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, les grands savants de cette communauté ont considéré le comportement à adopter envers les gens d'innovation selon les circonstances. Non. Il en ressort plusieurs comportements. Effectivement, mes frères, les comportements à adopter des gens de la Sunna envers les gens de l'innovation sont tributaires de plusieurs choses ou relèvent de plusieurs choses. Du lieu où elles ont lieu, ces innovations religieuses, de l'époque, des gens, non, de la science, si elle est répandue ou si elle est, au contraire, ou si c'est l'innovation religieuse qui est répandue. Donc il faut prendre en compte tous ces facteurs. Et ceci, c'est à l'appréciation des savants, mais aussi des gouverneurs, comme on va le voir. Non. Donc chaque innovation religieuse ou chaque innovateur doit être réfuté selon une manière, selon un comportement qui lui est propice. Non. Et on va voir que l'auteur du livre va citer plusieurs points
qui ont déjà été appliqués chez les pieux prédécesseurs. Alors le premier de ces points, يقول المؤلف أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة كمسألة ابن عباس رضي الله عنهما حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم ألفان وخرج سائرهم. Il dit le premier comportement à avoir. Le premier comportement à avoir, c'est ce qu'on appelle la prédication, l'enseignement, l'orientation. Donner, ramener la preuve du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ce fut le cas lorsque Ibn Abbas, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, partit discuter avec Al-Khawarij. Jusqu'à ce que 2000 personnes parmi eux, parmi ces innovateurs, retournèrent vers la vérité et le reste se rebellèrent contre le gouverneur qui était Ali ibn Abi Talib et furent tués par la suite. Effectivement, donc on va expliquer un petit peu en détail qu'est-ce qui s'était passé entre Ibn Abbas et ses Khawarij. Ibn Abbas, vous le connaissez tous, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un Quraishi. Son père, l'Abbas, Abul Fadl, qui s'est converti lui aussi très tard, mais qui a embrassé l'islam. Ibn Abbas, comme vous le savez tous, si on retrace un petit peu les mérites d'Ibn Abbas, ils sont innombrables. Mais un de ses plus grands mérites, par lequel il se caractérise, c'est que le prophète a fait une invocation en sa faveur, ou pour lui. Et il a demandé à Allah qu'il lui enseigne l'interprétation ou l'explication du Coran, et qu'il l'instruise dans la religion. Et c'est pour ceci qu'Ibn Abbas est considéré comme le plus grand commentateur du Coran chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non ? Vous verrez que ceci est un point très important, comme on va le voir. Alors, la première des choses à faire envers les innovateurs, c'est quoi ? C'est de leur ramener l'argument, de leur expliquer l'erreur dans laquelle ils sont. Non ? De les orienter. Si on ne peut le faire, de les orienter vers les savants qui se chargeront de cette chose-là. Ibn Abbas, lorsqu'il est parti voir le Khawarij, il a discuté avec eux. Dans quel but ? Dans quel objectif ? Justement pour dissiper toutes ces ambiguïtés auxquelles ils étaient confrontés, le Khawarij. Jusqu'à ce que 2000 parmi eux retournèrent vers la vérité, après les explications et les éclaircissements d'Ibn Abbas, et le reste fut combattu et tué par la suite. Taïb. وفي مناظرة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما الخوارج من الأدب الرفيع والحلم الجميل وإقامة الحجة بالحق ما يغري بسوق المناظرة كما ذكرتها كتب السنة ورواها الأئمة. Ce qui signifie, il y a dans cette discussion d'Ibn Abbas رضي الله تبارك وتعالى عنهما avec les Khawarij, relevant du noble comportement et de la belle mansuétude et de l'argument rapporté dans la vérité, ce qui nous incite à relater cette discussion qui a eu cours entre eux, comme l'ont évoqué les livres de la Sunna et comme l'ont relaté les savants parmi nos pieux prédécesseurs. Non, les savants, salafan wa hadathan, même à notre époque, relatent souvent cette discussion qu'il y a eu entre Ibn Abbas et Khawarij, car elle est pleine d'enseignements profitables. Non. C'est pour ceci que le Mu'allif dit, Ibn Abbas a fait preuve d'un noble comportement et d'une belle mansuétude. La mansuétude, c'est le sang-froid. C'est le contraire de la colère. Et vous verrez pourquoi, justement, l'auteur du livre qualifie Ibn Abbas par ses nobles qualités. Taïb. قال Ibn Abbas رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي
رضي الله عنه قال جعل يأتيه الرجل يقول يا أمير المؤمنين القوم خارجون عليك قال دعهم حتى يخرجوا فلما كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم قال فدخلت عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل عليهم كمس مرحضة فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك قال قلت ما تعيبون من هذه فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية قال ثم قرأت هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فقالوا ما جاء بك قلت جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم قال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى يقول بل هم قوم خصمون فقال بعضهم بلى فلنكلمه قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة قال ماذا نقمتم عليه قالوا ثلاثا فقلت ما هن طيب je m'arrête là, je vais traduire inshallah. C'est la première partie de cette munazara. Elle pose un petit peu le décor. Ibn Abbas dit, lorsque Al-Haruriya, mes frères, ce sont les Khawarij. On avait dit que Al-Khawarij, c'est la première secte qui est sortie dans l'islam. Naam. Et à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Al-Hunayn, donc c'est vers la fin du mandat prophétique, le prophète, alayhi wa sallam, distribuait le butin de guerre. Jusqu'à ce qu'un homme des Bani Tamim, qui s'appelait Dhul Ruwaisira, est venu voir le prophète avec une certaine arrogance et a dit « Ya Muhammad », il n'a pas dit « Ya Rasulallah »,« Ya Muhammad, i'adil », »,« Sois juste dans le partage ». Vous voyez que même cette façon de dire les choses, c'est quelque chose qui n'existait pas chez les Sahaba. Ils venaient d'ouvrir une porte de mal. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Faman ya'adil in lam a'adil » Qui peut se prétendre être juste si moi je ne le suis pas? Si moi l'envoyé d'Allah, je ne suis pas juste? Alors que c'est moi qui vous ai appris toutes choses. Et entre autres, le fait d'être juste. Si moi je ne le suis pas en tant que modèle, en tant qu'envoyé d'Allah, qui peut se prétendre être plus juste que moi? C'est comme si cet homme-là, Dhul Khawaisra, prétendait être plus juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète s'est mis en colère. Il a dit, qui peut se prétendre être plus juste que moi? Ou qui peut se prétendre être juste si moi je ne le suis pas? Non? Omar ibn al-Khattab, qui avait entendu cette parole et qui était présent, a demandé l'autorisation au prophète de lui couper la tête. Non? Ya Rasulullah, da'ni al-dribu unuqa. Le prophète a dit, laisse-le. Il sortira de lui des gens qui sortiront de la religion comme la flèche sort d'un gibier. Naam, vous savez que la flèche, lorsqu'elle rentre dans un gibier comme ça, elle ressort de l'autre côté. Qu'est-ce qui leur ressort de cette flèche-là? De cette flèche-là, rien du tout. Elle n'a rien pris avec elle. Wa hakadha qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min al-ramiyya. Et le prophète a expliquer plusieurs choses
concernant le Khawarij jusqu'à ce qu'ils disent يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. Ils lisent le Coran, mais ce Coran qu'ils lisent, ils ne traverseront pas leur gosier. Les savants l'expliquent comment? En disant que ils liront le Coran, mais ils n'en tireront pas profit, de telle sorte que le Coran n'atteindra pas leur cœur. Il s'arrêtera ici. Là. Et le prophète a dit aussi d'autres propos sur eux, en disant que celui qui les combat aura une grande récompense. Et il a dit, le prophète, si j'étais vivant, je les combattrais comme fut combattu le peuple de Samoud. Ad et Samoud. Peu de temps après la mort du prophète, quelques vingtaine d'années, 25 ans après la mort du prophète, ces gens-là sont réapparus au grand jour. Donc, Al-Haruriya, ici, ce sont les Khawarij. Pourquoi ils appellent Al-Haruriya? Car ils se sont réunis tous ensemble dans un endroit qui s'appelle Al-Harura ou Haraura, qui se trouve en Irak, proche d'Al-Kufa. Ibn Abbas dit, lorsque Al-Haruriya se réunirent pour sortir et pour se rebeller et pour contester le califat de Ali ibn Abi Talib, un homme est venu voir Ali ibn Abi Talib et lui a dit, ô chef des croyants, les gens sortiront sur toi. Et Ali répondit, laisse-les, jusqu'à ce qu'ils sortent. Et de là, on avisera. Lorsqu'un jour, je dis ici le pronom personnel à la première personne, c'est Ibn Abbas qui parle. Lorsqu'un jour, je dis, ô chef des croyants, retarde la prière afin que j'aille m'entretenir avec eux. Non, afin qu'ils reviennent vers le droit chemin. Je dis, je m'introduisis parmi eux alors qu'ils étaient en train de faire la sieste. Non. Leur visage était marqué par l'insomnie. Écoutez bien mes frères, ces descriptions, elles sont très importantes. Leur visage, c'est Ibn Abbas qui est en train de décrire ces gens-là. Leur visage était marqué par l'insomnie. C'était des gens qui passaient leur nuit en prière. C'était des gens qui passaient leur nuit en prière et leur journée en jeûne ou dans le combat. Leur visage était marqué par l'insomnie. La prosternation se reflétait sur leur front. Leurs mains étaient comparables à la rudesse des genoux du dromadaire. À force de se coucher par terre, ses coudes, ses pattes, même aussi son torse, acquièrent une certaine dureté. Certaines rudesses. C'est le cas aussi pour nous, par exemple. Vous voyez que nos genoux, la rudesse de nos genoux, elle n'est pas comme la douceur de notre mollet, par exemple. Pourquoi? Parce que on a plus tendance à s'appuyer sur nos genoux lorsqu'on se lève, ou alors nos coudes, etc. Donc la peau, elle se durcit tout naturellement. Et Ibn Abbas, il a comparé la rudesse de leurs mains, la rudesse de la peau des dromadaires. Non. Donc il dit, la prosternation se reflétait sur leur front. Leurs mains étaient comparables à la rudesse des genoux du dromadaire. Ils portaient des vêtements lavés par eux-mêmes. Naam. Murahada, ça veut dire aussi usé. Vous voyez que, lorsqu'on voit ces gens-là comme ça, on a tout de suite à l'esprit le fait que ce sont des grands adorateurs. Naam. Mais il ne faut jamais se laisser tromper par les apparences. Non. Et les plus alertes concernant ces choses-là sont les gens de la sunna. C'est pour ça, mes frères, qu'on le répétera jamais assez, il ne faut jamais regarder les actes d'adoration d'une personne pour savoir si elle est sur la vérité. Ce n'est pas un critère de jugement. Le premier critère du jugement, c'est de savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il croit, qui il suit. Quelles sont ses sources de législation? Quels sont ces savants, etc., etc. Non, vous avez compris, les frères? Donc, ils dirent, lorsqu'ils l'ont vu arriver, Ibn Abbas, ils dirent, oh, Ibn Abbas, quelle est la raison de ta venue? Regardez bien, ils n'ont pas dit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non? Vous savez pourquoi, mes frères? Qu'al khawarij, ils ont douté
sur la foi d'Ibn Abbas, comme ils ont douté sur la foi de Ali ibn Abi Talib, jusqu'à ce qu'ils l'ont même excommunié de la religion. Donc tout naturellement, pour eux, ils ne lui disent pas « Salam alaikum ». Non. Donc ils ont dit « Ya Ibn Abbas, oh Ibn Abbas, quelle est la raison de ta venue ? Et quel est ce vêtement que nous voyons sur toi ?» Ibn Abbas était vêtu d'un très beau vêtement. Il répondit, Ibn Abbas, ou je répondis, « Qu'avez-vous à lui reprocher à ce vêtement ? J'ai certes vu sur l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui se faisait de mieux comme vêtement yéménite. » Non. Car le Khawarij, parmi leurs mauvaises compréhensions, ils considéraient le fait que celui qui devait se détacher de cette vie-là ne devait pas porter ce genre de vêtements. Mais on voit bien qu'il n'y a aucune contradiction entre le fait de porter des beaux vêtements et le fait de détacher ton cœur de l'amour de cette vie-là. Voilà qu'ils lui ont reproché ceci. Ibn Abbas, il a dit, j'ai certes vu sur l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui se faisait de mieux comme vêtement yéménite. Al-hullal yamaniya. Donc même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec sa piété, portait des beaux vêtements. Et Ibn Abbas a dit, et j'ai lu le verset coranique suivant. Qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures? Là. Donc il n'y a aucune contradiction entre la piété de la personne et le fait qu'il se pare des meilleurs habits ou des meilleurs apparences. Ils dirent, qu'est-ce qui te ramène ici? Je dis, je suis venu à vous en provenance des compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'aucun d'entre eux n'est parmi vous. Cette phrase-là, mes frères, elle est très importante. Hein? Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je viens de la part des envoyés, des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que je ne vois qu'aucun d'entre eux, aucun des sahabas n'est parmi vous. Ça, c'est une preuve éclatante. Comme quoi, Al-Khawarij, leur voie qu'ils suivaient, n'était pas basée sur une science. Car on avait vu, mes frères, que la voie de la vérité, c'est la voie du prophète et la voie des compagnons du prophète. Non, les deux sont indissociables. S'il y aurait eu un compagnon parmi eux, Ibn Abbas aurait été discuté directement avec lui. Ça aurait été beaucoup plus simple. Non? Aucun des compagnons du prophète n'était parmi eux. Ce qui prouve bien qu'ils suivaient leur passion. Et la voie qu'ils suivaient n'était pas basée sur une science du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette parole d'Ibn Abbas, elle est très importante. Il en est de même pour nous à notre époque. Lorsqu'on voit des gens qui sont sur une voie déviante, on peut se poser la question, avez-vous des savants qui vous suivent dans ça? Des savants de la sunna qui vous suivent dans ce que vous faites? On doit se poser la même question. Ibn Abbas, il a regardé parmi eux s'il y avait un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui puisse légitimer leurs agissements. Mais il n'y avait personne. Puis Ibn Abbas, il dit, et je suis venu de la part du cousin de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est Ali ibn Abi Talib, et qui était chef des croyants à ce moment-là. Ibn Abbas dit, sur eux, les compagnons, furent révélés le Coran, et ils sont les plus savants quant à leur explication, quant à son explication, Afwan. Je suis venu à vous afin de vous transmettre ce qu'ils disent, et de leur transmettre ce que vous dites. Certains d'entre eux, parmi les Khawarij, dirent, ne discutez pas avec lui, c'est un Quraishi. Car Allah dit dans le Coran, ce sont plutôt des gens disputeurs ou chicaniers. Non. Effectivement, il y a un verset coranique sur ça. Balhum, Kaumun, Khasimun. Ça s'appliquait sur Quraish, Kuffar et Quraish, vis-à-vis de Nabi wa sallam. Sur les mécréants de Quraish, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils ont pris ce verset coranique, ils l'ont appliqué sur Ibn Abbas. C'est un Quraishite, donc il rentre dans le verset coranique lui aussi. Vous voyez mes frères? Lorsqu'on fait
des interprétations douteuses, ou lorsqu'on explique les textes en concordance avec ses passions, on s'égare. C'est exactement ce qu'on fait le Khawarij. Donc certains d'entre eux, ils ont dit, ne discutez pas avec lui, car Allah dit dans le Coran, en parlant des Quraïchites, ce sont des gens chicaniers. Et il se trouve que Ibn Abbas, c'est un Quraïchi. D'autres dirent, non, plutôt parlons avec lui, discutons avec lui. Alors Ibn Abbas dit, deux ou trois personnes s'engagèrent dans la discussion avec moi. قال ماذا نقمتم عليه قالوا ثلاثا ما هن قالوا حكم الرجال في أمر الله والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله قال قلت هذه واحدة وماذا أيضا قالوا فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم قال قلت وماذا أيضا قالوا ومحى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين Il dit Ibn Abbas, que lui reprochez-vous? Ils dirent trois choses. Je dis lesquelles? Ils dirent, premièrement, il a soumis les hommes à l'arbitrage ou au jugement dans la religion, dans les ordres d'Allah. Alors qu'Allah dit, le jugement n'appartient qu'à Allah. Je dis, donc c'est Ibn Abbas qui parle, en voici une. Quoi encore? Ils dirent, il a combattu, je vais expliquer ça, pour un petit peu retracer le contexte de cette munazara, de cette discussion. Ils dirent, il a combattu et n'a pris aucune captive de guerre ni de butin. S'ils étaient croyants, alors il ne lui fut pas permis de les combattre. Et s'ils étaient mécréants, alors il se devait de les combattre et de capturer les captifs de guerre. Je dis, et quoi d'autre? Ils dirent, il s'est retiré le titre de chef des croyants. Il est donc le chef des mécréants. Trois ambiguïtés qu'avait le Khawarij, qui pour eux était une légitimité dans le fait qu'il sorte de l'obéissance du prince ou du chef des croyants qui est Ali ibn Abi Talib et qu'il s'apprête à le combattre. Taïb, hadihi thalatha. قال ابن عباس قلت رأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا أترجعون قالوا وما لنا لا نرجع قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال فنشدتكم الله تعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنها ربع درهم وفي بلع امرأة قالوا بلى هذا أفضل قال أخرجت من هذه قالوا نعم Il dit Ibn Abbas, après qu'il ait écouté ce qu'ils avaient à dire, Ibn Abbas, il dit quoi? Il dit, voyez-vous, si je vous apportais la contradiction à vos propos provenant du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reviendriez-vous vers la vérité? Ils dirent, qu'est-ce qui nous empêcherait de revenir si c'était le cas? Non. Si, bien sûr, tu nous éclaircis et tu dissipes nos ambiguïtés, qu'est-ce qui nous empêcherait de revenir vers la vérité? Il dit, Ibn Abbas, quant à vos propos sur le fait qu'il est soumis les hommes à l'arbitrage dans les ordres d'Allah ou dans la religion d'Allah, Allah dit dans son livre, ô vous les croyants,
Ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. Celui qui tue délibérément un gibier alors qu'il est en état de sacralisation, qu'il expie sa faute en sacrifiant son équivalent comme bête de troupeau. Selon le jugement de deux personnes intègres parmi vous. Hadha mawtin ash-shahid. Hein? Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui est en état de sacralisation, qui tue un gibier volontairement, non, il se doit, pour expier sa faute, ce qu'on appelle kafara, il se doit, pour expier son erreur, d'égorger une bête équivalente. D'accord? Par exemple, celui qui a tué un lapin, on lui demandera d'égorger une chèvre, afin d'expier sa faute. Celui qui a tué un cerf, on lui demandera d'égorger une vache, non, ou un veau, à l'appréciation de deux hommes intègres, qui jugeront, qui eux détermineront qu'est-ce qui est équivalent dans l'expiation, d'accord, afin que sa faute soit effacée et expiée. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala dit: فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. S'il y a un désaccord entre deux époux, on demande de ramener un médiateur de part et d'autre de chaque famille, afin de rechercher la réconciliation. Donc Ibn Abbas, en citant ces deux versets coraniques, il est en train de leur montrer que Allah tabaraka wa ta'ala a soumis à l'arbitrage des gens, non, pour régler des problèmes ou des conflits entre les personnes. Ibn Abbas, il dit quoi? Allah a délégué cette chose, que ce soit de juger l'équivalence d'une bête de troupeau par rapport à la bête, le gibier qui a été tué alors qu'il était en état de sacralisation. Allah a délégué cette chose à la sentence des hommes. Je vous demande par Allah, considérez-vous la soumission à l'arbitrage des hommes concernant la préservation du sang des musulmans et la réconciliation entre eux meilleure, ou bien cet arbitrage concernant le sang d'un lapin dont la valeur n'excède pas un quart de dirham, ou celui concernant le contrat de mariage d'une femme? Si Allah a demandé la sentence ou l'arbitrage de tierces personnes concernant un contrat de mariage ou concernant un lapin que tu aurais tué volontairement dont le prix n'excède pas un quart de dirham, Naam, qu'en est-il alors de prendre comme arbitre des personnes afin de préserver le sang des musulmans et de les réconcilier entre eux? Ceci est meilleur ou ceci est moins bien? Ils ont dit ceci est meilleur. Alors Ibn Abbas, il leur a dit quoi? Il leur a dit, est-ce que je vous ai sorti de cette ambiguïté? Ils dirent oui. Mes frères, on répond toujours aux ambiguïtés avec le livre d'Allah, la sunna du prophète. Autrement dit, avec la science. Qala wa amma qawlukum. Adi shubhat al-thaniya. Amma qawlukum. Qatala falam yasbi wa lam yaghnam. Afatasbuna ummakum Aishata radiyallahu anha. Fa in kultum نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم فأنتم تترددون بين ضلالتين أخرجت من هذه قالوا بلى. Ils ont dit, non. Il a dit, quant à vos propos, il a combattu et il n'a pris aucune captive de guerre ni de butin. Ibn Abbas, il leur a dit quoi? Prendriez-vous comme captive votre mère Aïcha, hein, qui était aussi dans le combat? Si vous dites oui, nous l'aurions pris comme captive de guerre, alors vous seriez mécréant. Non? Et si vous dites ce n'est pas notre mère, alors vous êtes aussi mécréant, car Allah dit dans le Coran tabaraka wa ta'ala, wa azwajuhu ummahatuhum. Et ses épouses, les épouses du prophète, ce sont vos mères. Non. Vous êtes en train d'hésiter entre deux égarements. Non. Que vous dites ceci ou ceci, vous êtes entre deux égarements. Donc ce que vous reprochez à Ali ibn Abi Talib n'a aucun fondement, aucune valeur. Non. Vous avez compris? Il dit, vous ai-je sorti de cette ambiguïté? Il dit oui. Amma qawlukum.
محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. ها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. Il dit Ibn Abbas, quant à vos propos sur le fait qu'il s'est retiré le titre de chef des croyants, Ali ibn Abi Talib, moi je vous rapporte ce qui devrait vous satisfaire. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Hudaybiyah, lorsqu'il conclua une trêve ou un pacte avec Abu Sufyan et Suhayl ibn Amr, qui étaient à cette époque-là mécréants, mais qui se sont convertis à l'islam après. Le prophète avait dit « Ô Ali, écris, voici ce sur quoi se sont entendus Mohammed, l'envoyé d'Allah. » Ils l'ont arrêté tout de suite. Abu Sufyan et Salim al-Amr. Ils lui ont dit « On n'est pas au courant que tu es l'envoyé d'Allah. Si nous savions que tu étais l'envoyé d'Allah, on ne t'aurait pas combattu. » Alors le prophète, il les a regardés comme ça. Il leur a dit « Par Allah, tu sais pertinemment que je suis ton envoyé. » En parlant à Abu Sufyan. Et il a dit à Ali, « Ya Ali, efface et écris Mohammed ibn Abdullah, Mohammed fils de Abdullah. » Donc le prophète, ici, il s'est enlevé le titre de Rasulullah. Est-ce que ceci est préjudiciable? Non. Ceci n'est pas préjudiciable pour le prophète. De même que Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a dit « Je ne suis pas le chef des croyants », ceci n'est pas préjudiciable pour lui. Donc Ibn Abbas, il a enlevé aussi cette ambiguïté sur laquelle était le Khawarij. 2000 personnes parmi eux sont revenus à la vérité. Quant aux autres, ils sortirent et furent tués. Il faut savoir une chose, mes frères, ici, si elle n'est pas évoquée dans le livre, c'est que Ali ibn Abi Talib, concernant ceux qui ont tué Othman ibn Affan, il faut savoir que ce ne sont pas des individualités qui n'ont pas de soutien derrière elles, mais ce sont des gens qui font partie des grandes tribus. Et Ali ibn Abi Talib, en tant que calife, avait vu que le fait de les pourchasser tout de suite emmènerait forcément à quoi? À combattre les tribus à laquelle ils appartiennent. Et ceci viendrait créer des dissensions aux dissensions qui existent déjà. Donc, Ali ibn Abi Talib, en tant que chef des croyants, a vu que l'avantage, al-maslaha, était plutôt de retarder cette chose-là par la suite. Il devait d'abord unifier les musulmans entre eux. Et Muawiya, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, à cette époque-là, voyez qu'il devait plutôt pourchasser les commanditaires de ce meurtre. Mais regardez bien, mes frères, lorsque Muawiya est devenu calife, qu'a-t-il fait? A-t-il pourchassé les commanditaires du meurtre? Non. Lorsqu'il est devenu calife, il a réalisé pourquoi Ali a dit ça. Non. Et il a pris la même position que Ali ibn Abi Talib. Exactement la même. De telle sorte que certains parmi eux, parmi ceux qui ont tué Othman, ont vécu jusqu'à l'époque de l'Hajjaj ibn Yusuf, l'époque de Marwan ibn Abd al-Malik. Non. C'est-à-dire presque 30 ans après. Pourquoi Muawiya ne les a pas pourchassés alors qu'il avait le pouvoir de le faire puisqu'il était calife? Car il a vu aussi que le fait de les pourchasser tout de suite allait créer aussi des dissensions et des conflits tribaux. Donc vous voyez que
il y a une différence entre juger la chose avec le waqir, c'est-à-dire en prenant en compte les avantages et les inconvénients, et juger la chose en s'appuyant sur des simples théories. Là. Ça y est. Donc vous voyez que, mes frères, ici, les leçons qu'on peut tirer de cette munazara qui a eu entre Ibn Abbas et Khawarij sont nombreuses. Et on va en citer quelques-unes, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. La première, c'est que, avant de faire une munazara avec un groupe dissident ou un groupe d'innovateurs qui ont ce qu'on appelle une shauka. Une shauka, c'est-à-dire qui ont une certaine force, qui peuvent combattre, tuer, influencer. Ibn Abbas a demandé l'autorisation à qui ? Au gouverneur. Demander l'autorisation avant de faire les débats comme ça. Pourquoi ? Car le gouverneur est le plus à même de jauger et d'apprécier la situation. Est-ce qu'elle nécessite justement de dissiper les ambiguïtés dans l'immédiat ou alors il est préférable d'attendre ? Donc Ibn Abbas a demandé d'abord à Ali, Ibn Abi Talib, l'autorisation d'aller les voir. Ça c'est déjà un premier enseignement qu'on peut tirer. Deuxième enseignement, c'est que Ali ibn Abi Talib a vu que celui qui allait dissiper ses ambiguïtés ou qui allait se confronter à eux n'est pas n'importe qui. C'est Ibn Abbas. C'est un alim. C'est un savant. Effectivement, mes frères, ne discutera qu'avec Al-Bidar que les savants ou que ceux qui sont enracinés dans la science. Amma les autres, ils délèguent ces choses-là aux savants. Ils ne rentrent pas dans ce genre de considération ou de polémique, car ils risquent de glisser. On avait vu que pour lever des ambiguïtés, il faut venir avec une argumentation solide. Troisième chose, Ibn Abbas a raisonné avec eux bil-aqli wal-naqli, avec la raison, avec des preuves rationnelles et avec des preuves tirées du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, Ibn Abbas, c'est quelqu'un de notoriété. C'est un Quraishi, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne peut pas être attaqué sur ce point-là. Là, Khawarij, il ne peut pas dire « Qui es-tu, toi, pour venir nous parler ?» C'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a une certaine notoriété. Il ne peut pas être attaqué sur ce point-là. Aussi, parmi les enseignements, regardez comment Ibn Abbas a conduit cette munazara. Il a d'abord écouté patiemment leurs arguments, les uns après les autres. Il a fait preuve de douceur. Il n'a pas été rude. C'est pour ça que le mu'allif, Cheikh Raslan Hafidallah, dit, il y a dans cette munazara d'Ibn Abbas, al-adab rafi'a, le noble comportement, na'am, et aussi, al-hilmu al-jamil, al-hilmu, le sang-froid, la patience, la mansuétude. Il aura d'abord demandé quoi ? Quelles sont les choses qui vous posent problème ? Quelles sont les choses qui vous posent problème ? Et il les a écoutées une par une. Après qu'ils ont fini de parler, il leur a dit quoi ? Ce qui viendrait, si je vous ramène ce qui viendrait contredire ce sur quoi vous êtes, venant du livre d'Allah, de la sunna du prophète, reviendriez-vous vers la vérité ? Ils dirent oui. Aussi, une chose importante, c'est que les compagnons à cette époque représentent les savants, constituent le corpus des savants, si on peut le dire comme ça. Pour cette raison que Ibn Abbas, lorsqu'il est venu, il a jeté un coup d'œil comme ça, il a dit, il n'y a aucun compagnon parmi vous. Je ne vois aucun compagnon parmi vous. Ce qui prouve bien que les compagnons représentent les gens vers qui on doit revenir dans les choses de la religion. Non ? Car, comme on l'avait vu, comme on l'a expliqué maintes à maintes reprises, les sahaba ont vécu l'islam, ont vécu la sunna du prophète. Ils l'ont vécu. Nous, on l'a apprise. Eux, ils l'ont vécu. Il y a aussi d'autres enseignements, comme le fait que se parer de beaux habits n'est pas en contradiction avec Zohd, avec l'ascétisme. Car le vrai ascétisme, mes frères,
c'est de mettre la dunya dans ta main et pas dans ton cœur. L'ascétisme, c'est de mettre cette dunya dans ta main. Si tu l'as dans ta main, tu la diriges comme tu veux. Tu peux ouvrir ta main, tu peux la fermer, tu l'ouvres, tu la fermes. Alhamdulillah. Elle est en ta possession. Et ton cœur, c'est lui qui dirige. Alhamdulillah. Et si cette dunya-là rentre dans ton cœur, alors c'est elle qui va te diriger. Et tu seras à sa merci. Le fait de porter des beaux vêtements, alhamdulillah, comme faisait le prophète, alayhi salam, comme a fait Ibn Abbas, tahalla bi hullatin jamila, min ahsani al-hulal. Ou al-khawarij, lorsqu'ils l'ont vu arriver comme ça, de par leur ignorance, n'ont pas compris. Toi, Ibn Abbas, tu portes ce genre de vêtements? Toi, Ibn Abbas, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas, il a dit, ceci n'est pas en contradiction avec la piété et l'ascétisme. Car le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, portait parmi les meilleurs vêtements yéménites. Voici les enseignements que l'on peut tirer de cette munazara, tout en sachant que ces enseignements ne sont pas les seuls, non, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc ce qu'il faut surtout apprendre et tirer comme enseignement de cette munazara, dans ce qui nous concerne ici dans notre chapitre, c'est que Ibn Abbas est parti d'abord éclaircir, dissiper les ambiguïtés, non, afin qu'ils puissent revenir vers la vérité. 2000 parmi eux sont revenus, le reste ont été combattus et sont morts. يقول المؤلف ومن إرشاد أهل البدع وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم مسألة عمر بن عبد العزيز مع غيران القدري وشبه ذلك. Il dit parmi aussi les orientations prodiguées aux gens de l'innovation et l'administration des arguments. Il y eut le cas de Omar ibn Abdel Aziz avec Ghayran al-Qadari. Omar ibn Abdel Aziz, qui est né en 61 de l'Hégire, donc c'est bien après ce sur quoi on était un peu auparavant. Il est né en 61 de l'Hégire, il est mort en 101. Il a été calife, c'est un Bani Umayya, c'est un Quraishi aussi. Et il était connu pour sa science, sa piété, sa dévotion, la justice et l'équité dont il faisait preuve durant son mandat de calife. Alors, Omar ibn Abdel Aziz, bien qu'il était calife, c'était aussi un savant de l'islam. C'est quelqu'un qui était connu pour fréquenter les cercles de sciences religieuses. Et bien sûr, quelqu'un qui était sur la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a eu une discussion avec Ghayran al-Qadari. Ghayran al-Qadari, mes frères, fait un peu d'histoire aujourd'hui, mashallah. Ghayran al-Qadari, Ibn Muslim al-Dimashqi, Abu Marwan, c'est lui le deuxième, c'est la deuxième personne qui a appelé ouvertement à cette innovation religieuse. Quelle est-elle? Bid'atul Qadar. Vous savez qu'un des piliers de la foi, c'est la croyance au destin. Non? Qu'il soit à ton avantage ou à ton désavantage. Il est apparu dans la ville d'Al-Basra, alors que Sahaba était encore vivant. Ibn Omar était encore vivant. Anas ibn Malik était encore vivant. Jabir ibn Abdillah était encore vivant. Et d'autres. À la ville d'Al-Basra est apparu des gens qui discutaient sur le Qadar. Comme l'a déclaré Yahya ibn Ya'mour. Ils disent quoi? Deux écoles chez eux. Ceux qui disent que la personne, tout ce qu'elle fait, elle le fait de sa propre volonté. Et que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas écrit dans la table gardée le destin des créatures. Que Allah ne sait pas ce que la créature va faire avant qu'elle le fasse. Que la volonté de l'être humain est indépendante de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle Nufatul Qadar al-Ghullat.
C'est vraiment les extrêmes. Et il y a une autre école chez eux, qui est apparue aussi à cette époque-là, qui disent que, certes, Allah il sait. Allah il a tout écrit. Allah il sait ce que chacun il va faire. Voilà, l'acte que fait la personne, c'est une création de lui-même. Ce n'est pas Allah qui a créé l'acte, c'est lui-même. Deuxième chose, la volonté de l'être humain est indépendante de la volonté d'Allah. Hein? Voici des erreurs qui sont en contradiction avec ce sur quoi était le sahaba. Alors, le premier qui a lancé cette innovation religieuse, il s'appelait Susan al-Nasrani. C'est un chrétien qui s'est converti à l'islam. Lorsqu'il s'est converti à l'islam, il a appelé à ce genre de polémique, de considération, d'accord, de discussion sur le destin, jusqu'à ce qu'un de ses grands élèves, celui qui a appris de lui, s'appelait Ma'bad al-Juhani. Il a pris de lui ses ambiguïtés, ses déviances, et lui-même, par la suite, il les a propagées. Parmi un des élèves, si ce n'est le plus grand élève de Ma'bad al-Juhani, Ghaylan al-Dimashqi, Abu Marwan, cet homme-là. Tout en sachant que Susan al-Nasrani, lorsqu'il s'est converti à l'islam, ensuite il a apostasié l'islam, il est revenu dans le christianisme. C'est comme s'il était venu injecter son poison, il est reparti d'où il est venu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux hommes ? يقول المؤلف ناظر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى غيران القدر عندما بلغه أنه يقول في القدر بعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال يا غيران ما هذا الذي بلغني عنك قال نعم يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا قال عمر اقرأ إلى آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ثم قال ما تقول يا غيلان قال أقول قد كنت أعمى فبصرتني وأصم فأسمعتني وضلا فهديتني. Je vais déjà vous traduire ceci. Omar ibn Abdel Aziz décida de s'entretenir avec Ghaylan lorsqu'il a vu que Ghaylan propageait ses ambiguïtés sur le destin. Donc, Omar envoya un homme le chercher. Et il le cacha quelques jours aux yeux des gens. Il le cacha quelques jours aux yeux des gens. Puis, après quelques jours, il le fit entrer dans Bayt al-Amir, et il lui dit, « Oh Ghaylan, quelle est cette chose qui est parvenue à mes oreilles ?» C'est-à-dire ce que tu es en train de dire. Il dit, « Certes, prince des croyants, Allah dit, l'homme n'a-t-il pas été durant un certain temps inexistant ? Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée afin de l'éprouver, puis nous lui avons accordé l'ouïe et la vue, et nous l'avons guidé sur le droit chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. » Donc Ghaylan, il prend ce verset coranique pour dire, Allah nous a laissé sur un chemin, c'est à nous maintenant d'agir, en âme et conscience, mais indépendamment de la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors, Omar ibn Abdel Aziz, par sa science, il lui a dit, lis jusqu'à la fin de la sourate. Lis jusqu'à la fin de la sourate. Et où Allah dit, tabaraka wa ta'ala, mais vous ne souhaitez quelque chose que si Allah le veut. Allah sait tout et il est sage. Il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Quant aux injustes, il leur a préparé un châtiment douloureux. Donc il y a dans ces versets à la fin de la sourate ce qui viendrait normalement dissiper l'ambiguïté dans laquelle était Ghaylan al-Dimashq et Abu Marwan. Effectivement, Allah ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? Mais vous ne souhaitez quelque chose que si Allah le veut. Autrement dit, la volonté de l'être humain, elle est conditionnée par la volonté d'Allah avant tout. C'est logique, mes frères. On ne peut pas faire un acte, n'importe lequel, ou dire une parole, n'importe laquelle, ou penser une chose, si ce n'est par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala.
Sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas la qualité de omnipotence. Laysa qadiran ala kulli shay. Non. Ça voudrait dire aussi que Allah ne sait pas toute chose. L'omniscience, ça implique forcément ceci. Donc ici, Omar ibn Abdul Aziz lui a dit, lis jusqu'à la fin de la sourate. Entre parenthèses, tu auras la réponse à ton ambiguïté. Il dit, Omar ibn Abdul Aziz, que dis-tu, Raylan, de ceci? Il répondit, j'étais aveugle et tu m'as rendu la vue. Et j'étais sourd et tu m'as rendu l'ouïe. Et j'étais égaré et tu m'as guidé. Écoutez bien, mes frères, c'est pas fini. قال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاسلبه فأمسك عن الكلام في القدر فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام تكلم غيلان في القدر فبعث إليه هشام فقطع يده فمغر به رجل والذباب على يده فقال يا غيلان هذا قضاء وقدر قال كذبت لعمر الله قال كذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر فبعث إليه هشام فصلبه. Donc après ceci, Ghaylan s'est abstenu de parler. Donc tout le monde pensait qu'il avait compris, qu'il était revenu dans la droiture. Il s'abstena donc de parler sur le destin et Omar lui confia une responsabilité à Dar-Darb. Dar-Darb, c'est en fait, c'est l'endroit où on frappait les pièces de monnaie. Non. Donc, il lui a donné une responsabilité afin de l'honorer plus ou moins sur le fait qu'il est revenu de son innovation et qu'il est revenu vers la Sunna. Donc, il lui a donné, Omar ibn al-Aziz, il lui a donné de la valeur. Il lui a donné une responsabilité dans l'endroit où on frappe les pièces de monnaie. Sikka. Il a fait une doa, Omar ibn al-Aziz. Il a dit, oh Seigneur, si ton serviteur Ghaylan est véridique, laisse-le. Hada sidquhu lah. Sa véracité, elle sera pour lui, Inch'Allah. Sinon, crucifie-le. Crucifie-le, ça veut dire, fais-le mourir sur le poteau. C'est ça que ça veut dire. C'est pas forcément un crucifix en forme de croix. Car le terme en français crucifix, crucifié, non, il y a une connotation de croix dedans. Mais, as-salb, sallabahu, as-salb, c'est le fait de mettre quelqu'un, de faire mourir quelqu'un sur le poteau. Non, jusqu'à ce qu'il meure. Alors, ils lui ont dit, Ahmad lui a dit, si ton serviteur Ghaylan est véridique, Alhamdulillah, s'il n'est pas véridique, fais qu'il meure sur le poteau. Ahmad ibn al-Aziz a fait cette doa. Donc, il s'abstena donc de parler sur le destin et Ahmad lui confia une responsabilité à Dar-Darb, à Damas. Lorsque Omar décéda, en 101 de l'Hégire, comme on l'avait vu, le califat passa à Hisham. Donc Hisham ibn Abdel Malik, al-Khalifatul Umawi. À ce moment-là, Ghaylan réitéra ses propos sur le Qadar. Donc vous voyez que cette ambiguïté-là, en apparence, elle s'était dissipée, mais elle est toujours inscrite dans son cœur. Donc dès que Omar est mort, Omar ibn al-Aziz est mort, il a recommencé à parler et à appeler les gens à cette chose-là, à cette déviance. Alors, Hichem envoya un émissaire à lui et on lui coupa la main. On lui coupa la main. Jusqu'à ce qu'un homme passât devant lui, alors que les mouches tournaient autour de son moignon. Hein. Et l'homme, il lui dit quoi? Il lui répondit, il lui dit, « Oh, Ghaylan, ceci relève du destin. » Et du décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et là, il a dit quoi, Ghaylan? Il a dit, kadabt, t'es un menteur. Ceci ne relève pas ni du destin, ni du décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ça veut bien dire que c'est une preuve flagrante qu'il n'a pas changé de croyance. Hichem envoya un émissaire le chercher et il fut crucifié. Non. Comme la doa de Omar ibn al-Aziz quelques années auparavant fut exaucé. Non. L'imam al-Awza'i, un contemporain qui a vécu cet événement, a dit, le premier à avoir parlé sur le Qadar est un homme venant de l'Irak appelé Soussan.
Il était chrétien, puis il est rentré dans l'islam, puis il a apostasié. Et il est redevenu chrétien. Puis Ma'bad el-Juhani a pris de lui et Rayyan a pris de Ma'bad. Il faut savoir que c'est l'imam el-Auza'i qui a décrété le fatwa pour le tuer. Non, l'imam el-Auza'i qui est un grand savant. C'est lui qui a décrété la fatwa et qui a plus ou moins incité le calife à ce qu'il soit mis à mort. Ceci afin de préserver la croyance des musulmans. Hein, c'est dans ce souci-là. Mais vous voyez bien ici, mes frères, que avant d'en arriver à ça, à ces situations extrêmes, qu'a fait Omar ibn Abdel Aziz? Il a fait une munadara. Hein? Arshadahu ila al-khayr wa bayyana lahu ma huwa ma kana alayhi min al-dalal wa al-khata. Il lui a expliqué. Il a fait preuve de patience. Il a fait preuve de mansuétude. Il lui a ramené les preuves. Il a fait preuve de douceur. Il lui a même donné une certaine valeur en lui assignant une responsabilité dans l'endroit où on frappe les pièces de monnaie. Malgré ceci, ça ne l'a pas servi. Walakin, c'est la voie qu'il faut emprunter. Avant toute chose, il faut, envers les innovateurs, faire preuve de patience, leur ramener l'argument du livre de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou l'argument tiré de la raison aussi, la raison saine bien sûr. Laissez le temps, car les ambiguïtés sont très dures à enlever chez les gens. Non. Si ceci ne suffit pas, on passe alors à une autre étape. Vous avez compris les frères? Mouallif, il met en valeur la différence qu'on doit faire entre Al-Munadara, c'est-à-dire venir discuter avec les gens d'innovation afin de leur expliquer, de leur éclaircir la vérité, et de leur éclaircir le faux sur lequel ils sont. Faire la différence entre ceci et la différence entre la polémique ou les querelles. Non. Car la première est demandée alors que la seconde est strictement interdite. يقول المؤلف وينبغي أن يعلم أن إقامة الحجة على المخالف شيء والجدال والمراء والخصومة شيء آخر هذا منهي عنه وذاك مرغب فيه. Ce qui signifie, il faut savoir que l'argument rapporté à un contradicteur est une chose, la polémique, le débat stérile, la dispute en est une autre. Cette dernière est interdite alors que le premier est souhaitable et conseillé. Non. L'imam al-Barbahari يقول فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت ويقول كذلك والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. Il dit l'imam al-Barbahari رحمه الله تبارك وتعالى, il est obligatoire de te soumettre, d'agréer les traces et ceux qui les suivent, de t'abstenir et de te taire. De t'abstenir de la polémique et de te taire. Hein? De ne pas parler sur Allah sans science. Il dit aussi, la philosophie, les querelles, la controverse et la polémique sont des inventions qui injectent le doute dans le cœur. يَقْدَحُ الشَّكَّ فِي الْقَلْبِ. Même si celui qui s'y adonne atteindrait la vérité et serait conforme à la sunna. Même s'il était sur la vérité dans ses propos, le fait qu'il rentre dans ce genre de polémique, ceci va occasionner le doute dans son cœur. Non? Donc ceci, c'est à proscrire. Et on doit faire la différence et bien distinguer entre cette chose-là et ce qu'a fait Ibn Abbas ou Omar ibn Abdel Aziz. Donc c'est pour ceci que ce n'est pas n'importe qui va discuter avec les gens d'innovation. Il faut que ce soit des savants. Qui ont une science du livre d'Allah, de la sunna du prophète, et qui connaissent aussi les règles à adopter dans le munadara, dans la discussion avec les gens de l'innovation. Al-Hassan al-Basri, yaqul, al-Hakimu la yumari wa la yudari. Facile à apprendre cette parole, mes frères. Al-Hakimu la yumari wa la yudari. Hikmatuhu yanshuruha, in qubilat hamidallah, wa in ruddat hamidallah. Imam Hassan al-Basri a dit, le sage est celui qui ne polémique pas et ne trompe pas les gens. La yumari wa la yudari. Sa sagesse, il la propage. Si elle est acceptée,
il loue Allah. Et si elle est rejetée, il loue Allah. وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُ أُنَاذِرُكَ فِي الدِّينِ فَقَالَ الْحَسَنُ أَنَا عَرَفْتُ دِينِي فَإِنْ ضَلَّ دِينُكَ فَاذْهَبْ فَاطْلُبْهُ. Il dit, un homme vient voir Hassan al-Basri et lui dit, puis-je polémiquer avec toi dans la religion? L'imam Hassan al-Basri lui a répondu comme ceci. Je connais ma religion. عَرَفْتُ دِينِي. Si ta religion s'est perdue, quant à la tienne, si ta religion s'est perdue, pars et va la chercher. Non? Si tu as des doutes, va apprendre le ilm. Ne polémique pas. Amma, quant à ma religion, moi, alhamdulillah, je la connais. Non? Vous avez compris, les frères? Donc, lorsque vous voyez un innovateur, quel qu'il soit, que ce soit quelqu'un de votre entourage, que ce soit quelqu'un parmi vos connaissances, ne pas s'empresser de le descendre. Non? Et de lui couper l'herbe sous le pied, comme on dit. Mais il faut faire preuve de patience. Il faut lui ramener l'argument si on a la capacité de le faire. Si on n'a pas la capacité de le faire, on oriente le frère vers des gens qui sont capables de l'éclaircir. Tolab el-ilm, des savants. Si il n'y a pas de savant, il n'y a pas de tolab el-ilm, on donne une cassette, on donne un CD, on ramène un livre, biqadr el-mustata', de la meilleure, de la façon, selon nos capacités, selon nos compétences, na'am. Walakin, ne pas le juger tout de suite. Ça, c'est la première des choses. C'est la chose qu'il faut éviter. Na'am. Et ceci, on le fait en accord et en concordance avec ce que faisaient nos pieux prédécesseurs, comme Abdullah ibn Abbas, comme Omar ibn Abdel Aziz et d'autres. Na'am, ce ne sont pas les seuls. Vous voyez que lorsque le Khawarij, on dit à Abdullah ibn Abbas, pourquoi Ali ibn Abi Talib n'a pas pris des captifs de guerre? Il signifie qui par captif de guerre? Il signifie Aïcha. Abdullah ibn Abbas aura pu s'énerver. C'est parce que c'est des paroles qui sont insupportables. Non. Comment prendre une captive de guerre? Aïcha, notre mère. Abdullah ibn Abbas a fait preuve ici d'une grande mansuétude. Al-Hilm, al-Hilm al-Jamil. Non. Et c'est ça qui est demandé, avant tout. Vous avez compris, les frères? Après, si ça ne suffit pas, après avoir ramené l'argumentation, ramené les preuves, les exhortations, les réprimandes, si la personne continue dans ça, alors là, on passe à une autre étape. Non? On passe à une autre étape. Taïm. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. On continuera la semaine prochaine en étayant les autres modes de comportement à adopter envers les gens de l'innovation, après que celui-ci ait été épuisé. On passera au deuxième qui est le délaissement, le hijran, le délaissement de cette personne-là. C'est-à-dire le fait de se détacher de lui et de le mettre de côté, afin qu'il revienne. C'est quelque chose qu'avait fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que faisaient aussi les pieux prédécesseurs, et ceci dans un souci de faire revenir cette personne-là à la raison. Non. C'est dans ce souci-là. C'est pas dans le sens de le dénigrer, de le rabaisser, mais c'est vraiment pour qu'il prenne conscience de son erreur et qu'il revienne vers la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana wa yahdiya bina wa ja'alana sababan liman ihtada. Allahumma inna na'udu bika min ilmin la yanfa' wa aynin la tadma' wa qalbin la yakhsha' wa hasratin la tanqadhi wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقل رب زدني علماً.